Et salut tout le monde, c'est Cyril. Bien, tout est branché, nous nous retrouvons pour la 12e partie, ou 13e d'ailleurs même, de The Last of Us Part 2. C'est vrai qu'il y a un décalage, parce que comme je compte pas le live, à chaque fois que je vous dis c'est la 8e partie, etc. Et en fait, à chaque fois, il faut en rajouter une de plus. Du coup, je comprends que ce soit un peu brouillon. Donc maintenant je rétablis. Donc on est bien à la 13e partie. La 12e en live sur Twitch. Puisque la première était sur YouTube directement. Et ça avait foiré. Il y avait eu du bug à la clé. Donc nous nous retrouvons pour continuer The Last of Us. Première session de la journée. Il est... Donc là on est mardi. Mardi 23. Il est 22h. Pile. 21h59. Eh bien, continuons. Continuons. Donc, première session de la journée aujourd'hui. J'ai fait une petite pause d'essayer d'un peu moins jouer. Voilà. Bon, demain, je pense que je reprends un rythme normal, effréné. Peut-être, pourquoi pas finir le jeu d'ici jeudi, maximum vendredi. Avant ce week-end, ce serait bien. Comme ça, je pourrais faire. Samedi, mon marathon Bob l'éponge. Je sais pas combien de temps je vais jouer aujourd'hui, peut-être 2 ou 3 heures. Dans tous les cas, je ferai une coupure au bout d'une heure, 1 heure et demie, pour séparer les deux parties, comme d'hab. Enfin, je dis comme d'hab, même si là il y a eu des. Il y a eu des parties déjà, il y en a une je crois qui dure 2h45. Je crois que c'est la partie où j'avais pas spécialement vu le temps passer. Donc on était toujours évidemment avec Abby. Je pense vraiment qu'on va la voir jusqu'à la fin du jeu. Pour maintenant. Alors j'ai. Tiens, je me suis rendu compte que en regardant mes rediffs, qu'on entendait vachement en fond le bruit de la play, quoi, qui évidemment est en PLS. Elle souffre, la pauvre, et on l'entend vachement. Je suis désolé. C'est le micro qui est assez sensible. Pourtant, je suis vraiment pas collé à la play. Je peux vous l'assurer, mais elle fait tellement de bruit. Donc bon. Alors attendez. Donc on était ici. Qu'est-ce qu'elle est longue à faire les éliminations? Putain, ça a l'air grand ici. Les bruits, on les entend, mais de partout. Bien. Parfait. Ok. Donc de la vie, c'est bien. Alors là, il y a un trou avec un, deux mecs en bas. Il passe comme ça. Ici, dans cette partie-là, on sera plus emmerdé.
Je n'aime pas être ici, c'est tout. Il n'y a pas d'arbres, pas d'herbe. L'air est malsain. Une fois qu'on sera installé, on brûlera toutes les images, toutes les machines, et on plantera nos graines et nos arbres, comme à la maison, avec le temps. Merde. Bon. On s'en tire plutôt pas mal. Alors il y en a un qui est passé en haut là-bas. Il y en avait un autre en bas. Mais what? Mais non! Mais c'est pas possible! Non! Mais c'est quoi de mon con? J'ai pas vu qu'il y avait un truc. Ah! Ils sont sympas, ils nous remettent là, disons. Ils ont mis un checkpoint. J'avais pas vu qu'il y avait un vide infranchissable ici, quoi. Donc il n'y a rien là-dessus. Il n'y a rien ici. Alors, est-ce qu'on peut y aller par en haut? Ok. Thank you.
On est bien là, hein. On est pas mal du tout. J'avais un peu zappé qu'on commençait direct comme ça par un par un combat. Ah, mais ici c'est le ravin. J'ai pas le choix, je suis obligé d'aller dans le trou qui est là-bas. Ici en l'occurrence. Allez là. Bien. Parfait. Bon du coup ici en bas c'était trois frères jumeaux bruts là. C'est quand même super bien fait hein. Les impacts là on voit quand on leur explose le cerveau. On pouvait aussi venir ici, tiens. J'avais pas vu. Autant pour moi. Et ici, c'est celle qu'on avait dessoudée aussi. Putain, on lui a tiré dans la joue, quoi. Entre la bouche et l'oreille. Bien. Mais donc ici, c'est le putain de vide. On est full vie, on n'a pas utilisé de munitions, à part deux trucs de pompe. Faut juste que je descende dans la rue. Il n'y avait pas beaucoup d'ennemis, hein. J'imagine qu'ils vont en remettre. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que cette grosse femme? Ah putain! Attrape-la! Je fais des QTE même quand ils demandent pas. Oh non! T'es pas sérieux! Eh ben, la petite surprise. Je m'y attendais pas.
4 mois plus tôt. Donc 4 mois avant, bah, avant le présent, forcément. Enfin, 4 mois avant ce qui vient de se dérouler, j'imagine. Bah oui, forcément. Parce que dans tous les cas, même si on est dans un petit flashback avec Abby, qu'on voit ce qui se passe avant la fin du scénario avec Ellie, bah c'est 2 jours avant, quoi. Donc on peut dire que c'est le présent. Peut-être que je tombe mal. Alors, quoi de neuf ? Une mission en vue ? Attends, 2 secondes. Ok, on est good. Tu sais quoi ? Ici, on va peut-être parler des quelques... Donc, retour à l'aquarium encore. Quand la dernière fois que t'es venu ? Regarde-moi ça. Admire un peu. Qu'est-ce que t'as fait ? Pas grand-chose. Ah. Une seconde. Allez, c'est ici ? On balade avec Mel. Ouais, pas terrible hein, le mouvement avec la manette là. Tout va bien pour vous ? La vie de couple et tout ? Ouais, c'est pas mal enfin. Elle est vraiment gentille. Ça devrait être cool après moi. Là, sous tes herbes, dur à cuire. Un côté tendre aussi. Une mémoire de mal. Sélective, il veut dire. Donc on fait quoi ? Attends. Ok. Tu peins partie la fresque de Max ? Non, je la peaufine. Beaucoup de progrès depuis tes graffitis de Luciole. Eh, tu sais qu'une Luciole est arrivée le mois dernier ? Une ex-Luciole. Elle aussi, elle a entendu parler d'un rassemblement à Santa Barbara. Voilà, l'épreuve. Voilà, Stavos. Non. Part 3 à Santa Barbara. On a la lampe torche accrochée, hein. Je regarde à chaque fois, mais on ne peut pas l'utiliser. Je ne puis pas. Ça a l'air compliqué. Touche pas à ça. Abigail. Tu fais des expériences ? Pas loin. Je fais de l'agneau de l'ex. Si t'es gentil, je t'entendrai. Quelle chance. C'est moi ou tu t'entraînes en secret au tir à l'arc ? Peut-être toi. Ça explique la cible. Ouais, Mel et moi, on se fait un petit concours. Mais je suis pas sûr que ça te plairait. C'est assez compliqué. Je vois ce que tu fais. Et ça marche. Je fais quoi ? Ok. Tu vois les cibles ? Ouais. Ils ont un maximum avant la fin du chrono. Si je gagne, j'ajoute mon nom au tableau. Ça marche. C'est combien le chrono ? What? Edine. Ouais, je suis fier de toi. Et de deux. Et il t'en reste plein. Oh, pas mal. Ah. Putain de merde. 5. T'as fait la moitié, Abby. Meuble d'art. Quoi, c'est plus joli comme ça. Hey, vraiment, tu me brises le cœur. Elles sont où les autres ? Une dernière, et c'est bon. Ah, merde.
T'as réussi, t'as battu le record. Ah, il me reste du temps, non? Ouais, mais... Alors c'est pas encore fini. Est-ce que tu peux être arrogant? Le pire, c'est que j'aime ça. Bah c'est bon, on a tout dessoudé là, je crois, hein. J'en veux plus. Que 10 secondes. Oh. 5, 4, 3, 2, 1. J'ai réussi. Du premier coup. On a fait combien? 11, 12? Ouais, c'est génial. Super forte. Arrête et mets-le sur le tableau. Je le ferai. Plus tard. T'as peur que Mel découvre que j'étais ici? Non. Elle s'en fout. Alors mets mon nom sur le tableau, Owen. Ok. Calme-toi. Ah. Bon. Il y a une dernière chose que j'aimerais que tu vois. Succès. Le cadavre du capitaine du bateau? Si c'est ça, je l'ai vu la dernière fois. Oh, tu lui as quand même pas mis un bonnet de Noël, si? Hein? Non, mais j'avoue que ça serait marrant. C'est encore mieux que ça. Viens. Après toi. C'est quoi tout ça? C'est festif. Tu n'as pas encore tout vu. Assieds-toi. Admire un peu cette vue. Et maintenant, écoute-moi ça. Je monte. Ouais, je préfère. Elle est à fond sur le truc de Noël et ça fait un an et moi. Voilà. Je trouve ça trop mignon. C'est ça. Et ben moi, je t'emmerde. Non, c'est juste que j'aimerais bien que quelqu'un me masse pour m'en faire une. Tu ne le mérites pas. Quoi, la chaussette? Ou que quelqu'un m'aime? Qu'est-ce qui te met d'aussi bonne humeur? Qui, moi? Fais-je l'entraînement ce soir? Ah oui, quand la lune se... J'ai trouvé le frère de Joël. Il est dans le Wyoming. Comment tu le sais? On a mis la main sur Delicieux qui faisait partie de son groupe. Je croyais qu'il avait rattrapé une dizaine de mois. Ouais. Et donc, ce type a eu de ses nouvelles récemment? C'est une piste. Il faut que j'en sache plus. Ok, mais tu sais bien que même si tu le retrouves, même s'il est là-bas... Owen, il est très bien fait. D'accord. Bon, tout ça. Mais particulièrement, je trouve. Et la barbe et tout. Les cheveux. Mel l'est aussi. On part la semaine prochaine. Isaac ne voudra jamais laisser mon premier quitter la base. Isaac est d'accord. Mon cul, ouais. Personne ne tient à la justice plus que lui. Je sais ce que j'aurais fait. Je peux compter sur ton aide, pas vrai? Ah.
Bien, retour dans le présent, dans une situation dramatique, donc. C'est le soir de l'orage. C'est la chef. Le péché est en lui. Il se cache. Libère-les. Ainsi ils pourront connaître. Où se trouve l'autre infidèle? Brisez-lui les ailes. Les ailes? Ah putain! Aïe 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 aïe! Putain, c'est qui tout ça? Ah d'accord. Hein, c'est qui Eh ben. Bon, on fait équipe avec un enfant et une fille, femme avec un bras en moins. Faites gaffe. Ah!
Wonk, allez, on doit partir d'ici. Vous allez où comme ça? Il faut sortir de ces coins. Il faut y aller. Maintenant. La côte, c'est par ici. On est à poil, on n'a pas d'armes ni rien. Oh putain. Ils sont morts depuis peu. Il y a un autre chemin. Si c'était le cas, on passerait pas par ici. Ok, ils sont sympas. Ils nous remettent du soin. Non ! Putain, mais non ! Qu'est-ce que c'est que ce boss de merde, là ? Une grosse femme, J'ai plus de vie, bordel. Oh, putain ! Putain, qu'est-ce que c'est que cette meuf, Ah, là, elle a fait trois coups, hein. Toi, je vais t'éclater, mais tellement. Bam. Putain. Grosse connasse. C'est bon. Ça va, vous? Oui. Ok, on récupère le matos. Ah.
Ok. Tout ce qui peut servir. Ne touche pas à ça, c'est de l'ancien monde. Sérieux? Vous avez pas ce qu'il faut. C'est pas la fin du monde. Sans mauvais jeu de mots. Quel jeu de mots? Pistolet de chasse. Tiens. C'est la première fois que je vois des scars s'affronter. Des séraphites. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis rasé la tête. Ok, me dis rien. Franchement, ça m'est égal. Alors, on peut rien faire. Arme de poing à longue portée, dégâts importants et rechargement lent. Ok, d'accord. Mais j'ai pas assez de boulons. On a fait 6, ça fait 35 peut-être. Ah ouais, on a qu'une balle dans le chargeur, quoi. Enfin, si on peut appeler ça un chargeur, du coup. Non, on fait pas ça. Prends nos fouilles. Ça peut servir. Fabriquez vos propres balles. Confection de cartouches incendiaires, munitions de pistolet de chasse, vitesse de déplacement, vitesse de chasse supplémentaire, ok. Ok, et voilà donc avec des cartouches incendiaires pour le pont. Ça, c'est des cartouches normales. Très bien. Eddie, j'espère que tu vas bien. La trêve est terminée. On nous a demandé de rentrer pour recevoir nos nouvelles affectations. J'ai envoyé deux groupes te chercher, mais sans succès. Si tu trouves ce mot, viens nous retrouver. Mort aux Scars, Matt. Ok, on est full vie.
fait. Get $10 off when you buy fruit machin. Ils auraient dû mettre les trucs un peu plus en évidence quand même. À chaque fois, faut raser les murs pour espérer trouver quelque chose. Ça va au début, mais quand tu fais ça pendant 25-30 heures, c'est chiant. Un boulon. On arrive bientôt sur la côte. Encore un peu. Putain, saloperie. Eh ben. Qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils nous voient? Pourquoi ils nous voient et nous entendent de loin, disons? Un, deux, trois. C'est qui ça? Ah, c'est le show. Enfin, la petite, en fait, c'est une fille. Putain, j'ai flippé. Et maintenant, quasiment sûr. Tu veux que je vous abandonne tous les deux ici? Et si... Sortons d'ici, c'est tout. Bon,
pense que c'était quasi impossible de passer en infiltration, hein, de toute façon. Et là, il n'y a plus rien, très bien. Je vous fais passer et vous ouvrez la porte, ok? On t'ouvrira. Allez. À ton tour. Attention, bras. Saloperie. Putain. Allez. Putain, mais on fait comment là? On passe par où? Bordel de merde. Putain, c'est super stressant. Thank you.
Non ! Putain ! Mais non ! Changez de munition ! Changez de munition ! Putain ! Mais putain, non! Mais non! C'est quoi cette merde? Putain, quelle phase horrible! Pff, oh là là! Qu'est-ce que tu fous ? Oh là là, on va te faire. Putain. Il y en a d'autres. Attendez. J'ai besoin d'une minute. Accroche-toi bien à moi. Ok. Mon bras. Je sais. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire, expire. Doucement. Inspire. Expire. Essaie les portes. Et vérifie qu'il n'y a pas d'infectés. Ça s'ouvre pas. Essaie les autres. Putain, cette phase! La porte. Arène minuscule, ça arrive de partout. Aide-moi à enlever ça. Faut juste le remettre en place, il a quand même été bien écrasé le truc. Hein. Allonge-toi. Je vais bouger ton bras, ok? T'es prête? Ah.
merci de m'avoir libéré. Il y a beaucoup de passages dans le coin. Je sais qu'elle n'est pas en état, mais il faut que vous partiez avant demain. Ça va aller. C'est ça. Allez, on enchaîne. On va arrêter cette partie-là dans 5 minutes. Et donc là, on est avec Laura. J'imagine qu'on est bien le soir où Owen s'est fait dessouder donc par Ellie. On peut aller là ou pas? Ici. Alors, à chaque fois qu'il dit juste là, c'est à l'autre bout. Hein. Munitions, on est pas très bien, je crois. Bon, 9 balles de flingue, ça passe. Créer silencieux, oui, si tu veux. Ok, pour pouvoir créer les munitions, ça c'est cool. Par contre, on va se soigner, absolument. Bon. On va dire qu'on reste comme ça, on recrée un soin. Et puis on va se refaire les cartouches incendiaires. C'était quand même bien utile. Ok, bon, on a juste plus de munitions normales de pompe. J'ai pas utilisé les trucs qui rebondissent, les espèces d'explosifs, mais d'un autre côté, le peu de temps que j'avais pour agir, quoi. T'as trop de touches sur lesquelles appuyer. Oh, on va aller loin, deux boules. Ah, 16 ici. Ok, on est full vie. Presque. Pas mal. J'ai vraiment impressionné depuis le début par la modélisation des armes. Comme très classe. Allez, on va s'arrêter ici. On s'arrête ici pour cette partie. Merci de l'avoir suivi. C'était une partie courte mais intense. Enfin courte, une heure, c'est pas mal. Petite sauvegarde.
On en est à 18h24 de jeu. Ok. Oh là. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette partie. Moi, j'enchaîne avec la prochaine. Donc, à tout de suite dans 10 minutes. 10 minutes de pause pour ceux qui sont sur le live. Et puis, et ben, très très vite pour ceux qui sont sur YouTube. Vous voyez, hein, je mets 2 ou 3 parties par jour. Comme ça, vous avez tout en un coup, presque. Ciao, bisous, bisous. Et à tout de suite. Ou à la prochaine.